Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Avant de commencer cette vidéo, justement, je tiens à vous dire que demain, en ce vendredi 7 octobre, à partir de 20h, je serai en live sur la chaîne YouTube avec des invités pour un débat Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, etc. Vous verrez les sujets demain. Les invités sont Yekei, Stalrino, Daimao, le frérot qui gère le site de dbz.com. Donc voilà, ne ratez pas ça. Demain, 20h, en live sur la chaîne YouTube, active la cloche. Si ce n'est pas fait, comme ça tu ne rateras rien. En attendant, on va partir en PVP avec cette team. Mais attention, on se lance un petit défi. Interdiction de Rising Rush. C'est-à-dire que même si l'adversaire il me Rising Rush, je n'ai pas le droit de Rising Rush. Et même s'il me Rising Rush deux fois, là je le Rising Rush sa tête. Non. Même s'il me Rising Rush deux fois, on ne Rising Rush pas. Pourtant, c'est une team qui n'est pas super étoilée, comme vous pouvez le constater. Je vais partir avec ces trois persos, le Taxi Borg, le Broly Ultra et le Couleur Élève. Couleur, il est seulement 3 étoiles, mais je le trouve beaucoup trop fort. Vraiment, il est beaucoup trop fort. Il en va de même pour le Broly Ultra. Je le trouve super intéressant à jouer. Pourtant, il est 5 étoiles. Et pareil pour mon tag Cyborg LF qui est à 9 étoiles. Donc, c'est pas une carte à 13 ou 14 étoiles. Mais voilà, on va partir en PVP comme ça. Et on va voir du coup ce que ça va donner avec mon défi. Peut-être je vais prendre des toises, peut-être voilà. Mais j'ai confiance parce que cette team, c'est un coup de cœur. On l'avait joué lors de mon précédent live. Et franchement, je vais trouver ça super puissant. Donc, je me suis dit, on va relever encore un petit peu le niveau en se mettant un petit handicap, interdiction de Rising Rush. On va voir ce que ça donne. Max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. On est parti. Yeah! Ok, première game. Alors attention, il y a un couleur 7 étoiles. La Migaté de 14. Ok. Bon, je prends ces 3 là, mais là, je suis pas serein. Le Migaté de 14 étoiles, alors que j'ai pas le droit de Rising Rush. Wouhou! Oh mon garçon, va pas falloir bégayer des genoux. Quel défi encore j'ai voulu faire. Surtout que j'ai pas les étoiles qui sont comme lui, tu vois. Allez. Ok, ça passe. Il va mettre végétaux, je suis sûr. Ok. Mais là, ce que je veux faire, c'était monter la jauge du tag Cyborg. Pour switch sur C18. Oh, bien wesh. Ok, là, il a fait la verte. Il fait strike ou pas? Malheureusement, non. Je voulais faire une cover strike. Ok. Bon, on va mettre Broly pour arrêter les strikes. Oh, il a fait break cover. Ok, oh là, je suis pas bien du tout là. Là, je suis pas bien du tout. Ok. Ok, ça va, il tank un minimum Broly quand même sur le Jubai. Voilà, là c'est bon. Allez. Uch. Voilà, comme ça, il n'y a plus de cover. Allez, on cogne. Ok. Là, on va switcher pour être à contre-type. Enfin, pour qu'il soit à contre-type. Voilà, parfait. Parfait. Et là, bim, on fait mal avec couleur. 3 étoiles. Bam, c'est ça qu'on veut voir. On récupère des PV. Et oui. Parfait ça. Oh là 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 là. Et c'est le kill. On a très très bien joué sur cette tempo. Donc là, ça va le toucher. Voilà. Il va mettre végétaux, je pense. Voilà, il met végétaux, très bien. On n'oublie pas que maintenant que le tag, sa jauge, elle a été montée, j'ai C18, le végétaux, il risque de prendre cher. On n'oublie pas, je peux pas Rising Rush. Ok. Très bien. Donc c'est ça l'avantage, c'est que derrière, bah, je tank avec la C18. Voilà, fatigue-toi si tu veux. Donc là, voilà, petite cover, tranquille. Ok. Et Kamehameha. 14 étoiles, le Migaté quand même. Le Broly, il a tanké un minimum. Hein. Ah, bien wesh. Ah, bien wesh, bien wesh. Oh là là, là je prends cher. Là, je prends cher forcément à contre-type. Et ouais, là, je prends cher. Ok. Ouais, forcément, forcément, forcément. Donc on va peut-être perdre le Broly là-dessus. Je vais mettre l'herbiasse. Moi, pour le coup, je ne vais pas Rising Rush. Donc, j'ai un peu de chance, pour une fois. Pour une fois. Ok, je vais faire de même. Walida ! Parfait ça. Ouf, ça a crit et ça fait du bien. Ok, très bien, il m'a mis gâté.
Je peux passer à travers les blasts s'il y a besoin. On n'oublie pas d'être les strikes. Ok. Très bien, il va prendre l'avantage. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur quand tu peux pas rising rush, les gars. Franchement, c'est dur. Voilà. Huch. J'ai pas pu esquiver. J'ai pas pu esquiver. Ah là là, ça l'a pas tué. Ça a pas été suffisant. Ok. Je suis sûr que ça se trouve, il a un deuxième rising rush. Ah bah tiens, bah. Oh purée. Alors que moi, je peux même pas rising rush, frère. C'est incroyable. Je le contre ou pas? Si jamais on arrive à gagner cette game de rising rush alors que je peux pas faire le mien, eh bé. Donc là, hop, on le lock. Voilà. 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 Et ça va la cuisine. C'est pas mal, c'est pas mal. Let's go. Le LF. Oh, la punition. Deux rising rush. Je peux pas faire le mien et je le finis en LF. Les amis. Cette team, c'est un délice. C'est pas super étoilé, mais cette team, c'est un délice. Pour le plaisir des papilles. Non, vraiment, franchement, je kiffe. C'est un coup de cœur, cette team. Alors que pourtant, le gars, quand même, hein, en face, Mingaté 14 étoiles. Derrière, il a eu deux Rising Rush. Alors certes, j'en ai bloqué un, mais entre-temps, avant de le bloquer, le Rising Rush, derrière, j'ai perdu quand même pas mal de PV. Donc non, franchement, je suis content. Deuxième game, on est parti. Je vais prendre les trois mêmes et on recommence. On va voir ce que ça va donner. Après, la team, ça va en face. Je suis beaucoup moins inquiété que celle de tout à l'heure. On va voir, il va prendre qui, du coup. Vegeto, Gogeta et le Mingaté. Ok, bah c'est parti. On va se concentrer un minimum. Ok. Très bien. Le couleur, il va te mettre la cover. Voilà. Bim, la taloche. Allez. Ok, il a mis la verte. Je n'y attendais pas. Donc là, la cover de Broly. On rappelle que Broly peut cover sur tout. Deux fois par game. Même sur les vertes. L'SP, tout ça. Sauf l'ultime. Ok. Voilà. On baisse tout ça. Voilà. Ça, c'est parti. Allez. Très bien. Hush. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. Cuisine. Voilà, le tag, c'est voilà. Hein. Le tag, comme d'hab, les gars. Ouf. Donc là, je vais balancer direct la sauce. Il va mettre Gogeta, je pense. Voilà. Fais voir les dégâts qu'il va faire mon Broly 5 étoiles face au Gogeta Blue qui était 3 étoiles, je crois. Fais voir. Oh, bon, il a abandonné. Ouais. Il va abandonner, je pense. Voilà, je crois qu'il s'est déco. C'est un truc de fou. La violence. Oh là 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 là, la violence. Voilà. 5 étoiles Broly. Hein. C'est énervé. C'est énervé. Voilà. Allez, pour le kiff. Let's go. Pour le petit kiff, on va se faire un petit LF, le frérot. Voilà, petit LF pour le kiff. Franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Il n'y a même plus besoin de Rising Rush, là, pour l'instant. C'est aberrant. Vraiment, je suis scotché, les gars. C'est, encore une fois, c'est pas une team full 14 étoiles ou quoi, tu vois. C'est ça qui me choque. Parce que les gens qui vont avoir les persos à 14 étoiles, mais j'imagine même pas la dinguerie, frère. Ça doit être injouable en face. Tu te fais rouler dessus, littéralement, quoi. Ça doit être impressionnant. Ok, encore du Mingaté en face de nous. 8 étoiles en plus. Bon, moi, je vais prendre les 3 mêmes. Hop, et on recommence. Donc, du coup, on va devoir faire attention. Il y a le Badak. J'aimerais bien qu'il prenne le Badak, quand même, histoire de voir, tu vois, pour le petit clin d'œil. Bah, c'est bien. Du coup, il prend Badak, c'est cool. Parfait, on commence bien. Donc là, il n'y a plus de cover. Oh là là, les dégâts. Eh ouais. Ok, très bien. Ok, fais monter la jauge. Hein. Voilà. Là, on switch. Et bim. Oh, les dégâts. Oh là 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 là. C'est impressionnant.
C'est impressionnant. Vraiment, c'est... C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est trop, c'est... Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Je me suis un poil précipité. Alors, attention là-dessus. Ok. Il se recharge, très bien. Bim! Allez. Let's go. Voilà. Couleur, il s'arrête pas. Regardez les dégâts. Regardez les dégâts. Non, mais c'est ouf. Donc là, il y a un kill. Soit c'est Migaté, soit il met Badak. Mais il y a un kill. Il met Badak, c'est cuisine. C'est cuisine. C'est un délire. C'est un délire, ce team. Vraiment, je... Voilà. Allez, ça dégage. C'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Ah... Donc là, il n'y a plus de cover. Donc je peux pas cover là-dessus. Bien, ouais, j'ai lui. Ok. Broly là-dessus, je pense qu'il peut tanker un minimum. Le Mingati était combien? 8 étoiles, 9 étoiles, je sais plus. 8 ou 9. Et il a tanké Broly, tranquille. Tranquille. On récupère des PV. On n'oublie pas en plus Broly, ce qui est intéressant, c'est quand il se fait taper pour faire des dégâts supplémentaires. Ok. Regardez les dégâts. Voilà, 5 étoiles. Voilà. Huch! C'est ouf, c'est ouf. Donc là, c'est plié, les gars. C'est plié. C'est la cantoche. C'est la cantoche. Voilà, clairement, c'est la cantoche. Tu prends ta confiture de fraises, hein, ton Nutella, ton pain au lait, tu t'étales tout ça. C'est la cantoche, il n'y a même pas besoin de Rising Rush. Voilà, je pense que vous le voyez. On va continuer, on va continuer. Allez, let's go. Une team saga des films en face de nous. Alors là, c'est sympathique. Du coup, on prend les trois mêmes. Faut faire attention parce que le Ryuken également, c'est fort. Il y a quand même le Gogeta Ultra également. On va voir ce qu'il va prendre. Est-ce qu'il va prendre Tapion ou pas? Non, il n'a pas pris Tapion. Ok, très bien. Il a pris le Ryuken, le Migaté et le Gogeta Ultra. Là, la team en face, elle est sympa là. Là, on a la team qu'on avait... à l'anniversaire de Dragon Ball Legends, qui était vraiment très fort, tu vois. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, bien, ouais, je... Voilà, comme ça, au moins, je vais tanker un minimum. Ouf, quand même. Parfait, ça. Parfait, ça. Oh là là, on a trop bien joué la tempo, le timing. Huch. Huch. Voilà, let's go. Je veux faire monter la jauge de ces 18. C'est parfait. En plus, il a switché. Voilà. 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 Parfait. Let's go. On a très bien joué là. Là, c'est le kill. On a très bien joué. On a très très bien joué. Donc là, on met ces 18. Comme ça, il se retrouve à contre-type. Ok. Là, papa, 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 papa. Oh là 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 là, les gars, c'est impressionnant. C'est le kill. C'est le kill. C'est trop fort. C'est clairement trop fort. J'ai l'impression de jouer. Oh bah là, je le vois attaquer, donc là, c'est fini. Voilà. Pour le kill, full team. J'ai l'impression, les gars, de jouer une team avec des persos 14 étoiles. Vraiment, je vous le dis. J'ai l'impression de jouer des persos 14 étoiles. Mais c'est ouf. C'est ouf. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous aussi, vous avez la chance d'avoir ce genre de perso. Faites cette team. Le Broly, le couleur et tout ensemble. Et puis pourquoi pas le tag avec moi, comme j'ai pu le faire. Ou voilà, franchement, je trouve ça trop fort. Je trouve ça vraiment trop fort. Max de pouces bleus, les amis, sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous également. Je vous rappelle que demain, vendredi, 20h, gros débat Dragon Ball avec des invités, comme j'ai pu vous le dire en ce début de vidéo. Comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.